La sérigraphie, c'est une technique particulière qui permet d'utiliser un motif et de le répéter comme ça. Donc, c'est le principe du pochoir, en fait, mais un tout petit peu plus élaboré. Les petites contraintes qu'on a avec la sérigraphie, c'est qu'on est limité par la taille de la sérigraphie. Comme je travaille sur des très grands formats, il va falloir répéter un motif à l'infini. On utilise un traceur de chantier. C'est une craie bleue qui est très marquante, mais un coup d'éponge et elle disparaît. Et puis ensuite, on place les repères sur l'écran pour savoir exactement où on doit répéter le motif. Toute la difficulté est de comprendre à quel endroit il faut couper le dessin pour bien le répéter et qu'on ne soit pas embêté par la suite par des lignes qui vont se chevaucher. C'est beaucoup d'opérations techniques, donc en fait, chacun, finalement, en fonction de son humeur de la journée, va se dire, moi je vais plutôt être sur la couleur, moi je vais plutôt être sur le calage de l'écran. Ce qui m'intéresse beaucoup dans la sérigraphie, c'est cette question de répétition d'un motif identique. Ça crée comme ça une sorte de rythme, presque une architecture, je trouve, du tableau. Et puis, on revient au fondement un peu du décoratif, du papier peint, du fond. Pour moi, le papier peint va évoquer le mur et dans cette série, je vais expliquer que le tableau, c'est quelque chose qui se situe entre le mur et la fenêtre.